Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à... Recette facile et rapide. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait des biscuits au raisin maison. Place aux ingrédients. Une demi-tasse de farine, une tasse de gruau, de la cannelle au goût, 3 cuillères à table de cassonade, une demi-tasse de raisin sec, un œuf, 2 cuillères à table d'huile végétale et 1/4 de tasse de lait. On va commencer avec les ingrédients secs, soit une demi-tasse de farine, une tasse de gruau, de la cannelle au goût, 3 cuillères à table de cassonade et une demi-tasse de raisin sec. On mélange nos ingrédients secs. Dans un autre bol, on va battre un œuf. On va ajouter 2 cuillères à table d'huile végétale. Moi, j'ai mis de l'huile de canola. On va terminer avec 1/4 de tasse de lait. On va mélanger. On va maintenant mettre nos ingrédients humides qui ont été bien mélangés. On va les ajouter aux ingrédients secs et on va bien mélanger. Nos ingrédients sont bien mélangés, alors on va les déposer sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Moi, je me sers de 2 petites cuillères à thé, alors on va les déposer sur la plaque. Ça s'en va au four à 350 de 10 à 12 minutes. Voilà ce que ça donne de bons biscuits au raisin maison. C'est une recette que ma mère faisait souvent. Quand ça sortait du four, je peux vous dire que ça ne durait pas longtemps. C'est très bon avec un bon verre de lait ou un bon café. Ça fait une bonne collation nourrissante. Sur ce, bon appétit!